conseil régional vont cet après-midi, lors de notre commission permanente, arroser la ville de Bordeaux de 15 millions pour la construction du grand stade. Je suis venue, en tant que représentante des élus Europe Écologie des Verts de la région, arroser le poirier que nos amis élus de la ville de Bordeaux ont planté le 15 avril et qui porte, avec la vigueur de sa jeunesse, la voix des opposants à ce projet d'un autre temps. La démesure n'est pas seulement dans le projet lui-même, elle est dans le financement disproportionné de projets qui ne répondent pas aux véritables besoins de la planète et des Aquitains aujourd'hui. D'autant plus disproportionné que les restrictions budgétaires empêchent des projets utiles et efficaces de voir le jour. On ne peut pas reprocher au peuple brésilien d'être des ennemis de la culture footballistique. Et pourtant, leurs revendications ressemblent étrangement à celles des élus écologistes quand ils crient dans les rues « l'argent du mondial serait plus utile dans les transports ». Ils disent, comme nous, que l'argent des contribuables doit aller là où il est efficace et utile à leur côté.